Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 Fallout 4 Far Harbor, chers amis. Donc nous sommes à la recherche d'un bâtiment. Donc ce bâtiment, en tout cas le bâtiment du parc éolien, il me semble que c'est dans une remise ou un truc comme ça. Donc eh bien, écoutez, on va y aller. Ah non putain, c'est l'herbe qui bouge, nom de dieu. Ça me fout les boules bêtes. Oh, démarrer. J'aime pas ça, les marées. Ok, c'est pas grave. On y va quand même. Je rêve où la maison là-bas, elle est genre hyper méga éclairée. C'est mon chien qui a fait ce bruit-là? Ah, oh. Y'a des bébêtes. Wow. Meurs. Ok. Il y en avait bien deux, j'en ai tué qu'un. Tiens donc. Aïe. Oh la gueule. Je crois qu'il va nous falloir une vraie arme. Voilà. Ok. Ils sont violents. Il y a un passage là-bas. J'ai l'impression que le son est extrêmement fort, mais j'espère que ça vient de moi. Soin, on va prendre, hop, un petit steampack, on va se piquer un coup, hop, ah, oh, ça fait du bien, hop, les. Bobo, quand la musique se coupe comme ça, habituellement, il y a une raison. Level up. Cool. Loup enragé. Et l'autre c'était quoi? Loup albinos. Loup sauvage. D'accord. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Voilà, parfait. Je voulais aller voir les trucs commando. Commando. Puisqu'il y a... Ah, c'est extrêmement fort. Au niveau d'ici, c'est pas possible autrement. Ça me semble extrêmement fort. Parce que dans l'aptitude commando, faut que je la trouve encore. Donc il porte un casque. Potentiellement. Ça doit être celle-là. 20%. Précision dégâts jugés. Vaciller la cible. Il parlait de coups critiques dans les. Ça tiroille. J'ai vu quelque chose là-bas. Je pense que vous aussi. Une goule. C'est pas une goule qui va me tirer dessus normalement. Meurs, charogne. Hop, piqûre. Elle est encore en vie. Je suis sûr qu'elle est encore en vie. Oh, qu'est-ce que tu fais à Caligou? J'ai cru en entendre une autre. Y'a personne?
parents. D'accord. Des cartouches, des mines. Je crois que c'était une mine. Ce n'est pas une mine. C'est un tombeau. Oh putain. Ok. Je vais juste faire une pause un instant, chers amis, pour vérifier le son, parce que ça me semble extrêmement fort. A tout de suite. Hop et hop. Ah bah non, apparemment ça va. Bon. On continue alors. On continue. Cependant. Ah, il y avait ce fusil à levier, exact, exact, exact. Je l'avais amélioré à fond, il me semble. Hein. Ouais, il était pas si performant que ça. Je sais qu'il y a des modes pour changer le type de balle, mais le problème c'est que voilà, je sais quel type de balle je mettrais à chaque fois si je faisais ça. Potentiellement, vous savez, je ferai les types de balles qui sont les plus performants, donc ça sera du 50. Du calibre 50, et du coup, bah voilà, j'aurai plus qu'un type de balle dans le jeu, du coup ça m'énerve. Du coup, non. Ok, donc on est arrivé en bord de mer, littéralement, hein, même si on voit une île de l'autre côté. Ok, bah c'est... J'aime pas cet endroit. Voilà. Je préfère partir par là. Ça va être mieux. Je sens ma mort arriver par là, en fait, c'est marrant. Certains d'entre vous m'ont dit, chers amis, de retourner sur le continent pour récupérer Nick Valentine. Bah non, parce que je suis allé sur ce... Je suis allé sur cette île... D'accord, t'en fais du bruit, toi. Sur cette île seule, entre guillemets, sans lui. Je ne compte pas revenir, en fait, sur... sur le continent maintenant. Faut que j'ai fini la quête pour le faire. Putain, mais il s'appelle une seule, suffira. L'albinos. Tiens, dans la tête. Hop. Tout dans la tête et dans les bras. Littéralement. Par contre, je ne vois plus les autres. Je vois plus les autres. Je vois plus les autres, ça m'embête. Ils se sont planqués. Et c'est par là que je dois aller. Bon bah écoutez, on y va. Prends le fusil d'assaut. Yo les filles. Je t'ai vu. Putain, t'es solide toi. Oh la vache! Il m'a foutu les boules! Oh nom de Dieu! Sale bête. Sale bête. Bon, on va sûrement y en avoir d'autres. J'avais dit que j'aimais pas cet endroit. C'est marrant, hein? Vous avez vu ça, comment j'ai raison? Cage de Dima, d'accord, terre dérangée, bah écoute on va creuser. Je m'attendais à un bâtiment. Je sais même plus ce qu'on cherche à la base. Ah oui, le code de l'éolienne, exact, exact, exact. Détruisez les défenses de Far Harbor, ça me dit quelque chose. Ça me dit vaguement quelque chose. Mieux vous oublier. Terminé. M'attendais à avoir plus d'ennemis. Au final, il n'y en a pas beaucoup plus que ça. Ok, ok. Eh ben, je pense qu'il est temps d'aller voir Dima. Je pense qu'il est temps d'aller voir Dima. On va prendre cette quête-là pour commencer. Il est temps qu'on aille lui parler, je pense. Je reçois des messages. Enfin, non, des mails, apparemment.
Ouais, des mails pas intéressants, en plus. Bon. Bon. Donc, j'ai entendu parler de code de lancement nucléaire, de destruction de défense, tout ça. Mais, t'es un gentil, on est d'accord. Tu voulais juste raser l'île, c'est tout. Mais, je peux te comprendre, vu comment ils sont cons, les gens sur l'île. Mais sur le principe, un génocide à la bombe nucléaire, enfin, moi, je sais ce que c'est, hein. Je viens de là-dedans, je l'ai vécu. C'était pas top. Bon. Ah, t'es debout, ça tombe bien. J'ai Bonjour. Demandé à Chase de vous suivre. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Elle vous a vu entrer et sortir du noyau. Alors, qu'avez-vous trouvé dans mes banques mémorielles? De quoi éviter la guerre ouverte sur l'île, j'espère? Pas vraiment. J'ai trouvé, par exemple, la clé de lancement nucléaire. J'ai trouvé un de vos souvenirs qui parle d'une clé de lancement nucléaire. Vous saviez comment faire exploser le sous-marin du noyau depuis le début. Non, attendez. Attendez. Je rentre, donc je fais une sauvegarde complète. Non. Je veux m'assurer de... Hein ? Ne pas me faire baiser par le fameux chat à la con, là. Les quatre choix qui sont pas forcément ce qu'ils veulent dire. Je veux m'en assurer. Donc on est d'accord, j'avais dit qu'on finissait cette quête-là en premier. Cette quête-là, on parle de... Parler à Dima du meurtre d'Avry. D'accord. J'ai demandé à Chase de vous suivre. D'accord, on commence déjà par le meurtre d'Avry. Elle vous a vu entrer et sortir du noyau. Alors, qu'avez-vous trouvé dans mes banques mémorielles? De quoi éviter la guerre ouverte sur l'île, j'espère? Pas vraiment, tu as tué Avry. Vos souvenirs m'ont mené jusqu'à une tombe. Vous avez tué le capitaine Avry. Et vous l'avez remplacé par une synthétique pour contrôler Far Harbor. Quoi? C'est impossible. Voyons ce que vous avez trouvé. Je l'ai fait. J'ai tué une femme à Far Harbor pour la remplacer. J'ai transféré son identité dans une synthétique pour en faire un agent double. Je dirais fait ce qu'il fallait. Restons concentrés. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez raison. Concentrons-nous plutôt sur ce que nous devons faire. Je commence à y voir plus clair. Il faut à tout prix cacher ça. Ça c'est clair. Dans de Far Harbor. Ça c'est clair. S'il savait ce que j'ai fait, il ne se contenterait pas de me détruire. Il s'en prendrait aussi à Acadia. Et oui, puis ils seraient effondrés. Ils sont déjà pas nombreux. Les condenseurs de brouillard finiraient par se détériorer. Personne n'y survivrait. J'ai une idée. Il existe un autre moyen de ramener la paix. Ah bah si t'arrives à ramener la paix dans les trois... Personne ne doit savoir que j'ai remplacé une humaine par une synthétique. Ouais, ça me semble... Non, de façon, de base, ça me semble bien. Faut pas le dire. Ils sont déjà pas nombreux. Si en plus, ils commencent à douter d'eux-mêmes. Si on leur dit qu'il y a au moins une synthétique dans le tas, ils vont choper le médecin aussi, là... Je sais plus comment il s'appelle, là, machin, là. Ils vont dire, synthétique aussi. Et là, ils vont commencer à tous se regarder en disant, non, toi aussi, t'étais un synthétique. Non, toi aussi. Je sais que c'est difficile à accepter. Je vais garder votre secret. Je garderai votre secret, Dima. Merci. Peut-être que la culpabilité m'aidera à rester concentré. Non, ça, c'est clair, faut pas balancer. Bien que ce soit abominable, la mémoire que vous avez récupérée nous offre une nouvelle possibilité. Si notre intervention a réussi à... apaiser les habitants de Far Harbor, peut-être que ça fonctionnera également sur les enfants d'Atome. Nous pourrions remplacer le grand confesseur Tectus par quelqu'un qui serait disposé à pardonner à Far Harbor et à entamer le processus de réconciliation. Ah, ils sont timbrés quand même, hein. Ils sont timbrés. Sauvegarde rapide. Si c'est le seul moyen de ramener la paix sur l'île... Voilà. Pourquoi pas? Dites-moi votre plan. Ce sera difficile pour vous comme pour moi. Mais nous n'avons plus le choix. J'aimerais que vous utilisiez votre influence pour vous rapprocher du grand confesseur et l'attirer dans un lieu isolé. Vous trouverez sûrement un endroit propice dans la baie de l'ancien centre de commandement. Là-bas,
éliminez-le discrètement et dissimulez son cadavre. Quand vous en aurez terminé, revenez ici. Son synthétique ira prendre sa place parmi les enfants d'atomes. Il faut vraiment le tuer. Est-ce que nous devons tuer le grand confesseur ? Ce serait le plus sûr. Mais quelle que soit la méthode utilisée, l'essentiel est d'éloigner Tectus du pouvoir indéfiniment. Ça me semble bien. Ce sera convaincant pour mon remplacement ? Vous pensez vraiment pouvoir le remplacer ? Oui. À force d'aider les synthétiques, je commence à m'y connaître en suppression de souvenirs et en reconstruction faciale. Je passais beaucoup de temps avec Tectus lorsque je vivais dans la base sous-marine. Cela m'aidera à fabriquer les souvenirs de notre usurpateur. D'accord. Il faut simplement que vous vous occupiez du confesseur Tectus pendant que je prépare un volontaire. Ok. On le fera. D'accord. Je m'en occupe. Vous savez comment je pourrais faire pour le séparer des autres ? Tectus est terrifié à l'idée que Martin, son prédécesseur, tente de prendre sa place. Bien que selon toute probabilité, il soit décédé. Mais si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à dénicher la preuve qu'il s'apprête à revenir, Tectus voudra sûrement en savoir plus. En privé, il suffit donc de mettre en scène le retour de Martin. Oui, je vois. Pour cela, il me faudra des enregistrements authentiques. Martin a enregistré un grand nombre de nos conversations. Les bandes qu'il gardait au noyau ont sûrement été détruites, mais il y a bien longtemps, je lui avais construit un petit refuge pour lui permettre de s'isoler de la famille. Je vois. Voilà. Récupérez toutes les bandes que vous y trouverez. Je me charge de trouver le remplaçant. Tenez, je veux que vous ayez ça aussi, en récompense de ce que vous avez fait. Oh, bouclier d'Acadia. Sympa. Sympa, sympa, sympa. Merci. Donc en fait, ce qu'on va faire, chers amis, c'est qu'on va aller chercher des preuves. Oula, je suis plein. Des preuves que Martin serait de retour parce que publiquement, il n'est pas mort. Il a été renvoyé par l'autre. Du coup, nous, ce qu'on va... Bah merde. Ah, voilà. Chapeau de capitaine, bouclier d'Acadia. J'ai tant de merde que ça sur moi ? Je m'en rends pas compte. 26 cocktails Molotov. Déjà, ça met dans l'ambiance. Ok. Ok, ok. Je m'en rends pas compte. Pourquoi pas ? Et donc, en fait, en faisant en sorte qu'il y ait un pseudo-retour, l'assassin, donc Tectus, va se rendre compte qu'il y a un truc qui colle pas rond. Qui va pas rond, enfin qui tourne pas rond. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il va vouloir nous parler en privé. Ce qui me semble être une jolie manière de lui foutre les boules. Donc j'espère qu'on pourra faire autrement que de le tuer. Ça pourrait être sympa. De le voir courir. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme quête ? Réforme. Et purger la terre. Parler à Dima de la commande d'arrêt d'urgence. Merde, j'aurais dû lui en parler. Ouais, bon bah, fuck it. On va pas rentrer pour reprendre un chargement, tout ça. On va aller voir les holobandes de Martin. J'ai dit Martin la première fois. Pas Martin, M-A-R-T-I-N-E, hein. Et Martin, genre Martin en anglais, quoi. Enfin bon, bref. Oh, les textures. Les textures. Oh bonne mère. Elles ont complètement disparu. Est-ce qu'elles vont réapparaître un jour? Je ne crois pas. Oh la gueule. Eh ben non, elles sont pas apparues pendant tout le chargement. Ah oui, je me rappelle. Marrant, j'ai cru que quelqu'un m'avait envoyé un truc à la gueule. C'est dans l'ouest? C'est dans l'ouest. Attends, le fameux refuge, c'est quand même pas la maison où j'ai trouvé le truc de la mer. Ce serait tellement ça en vrai. La dernière fois que je suis passé par là, il y avait des bestioles partout. Honnêtement, j'espère que c'est plus le cas.
niveau radiation, c'est sympa. J'ai le compteur GGR qui s'excite. Oh, le cul-de-sac. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? Des loups luminescents? Ok, il y a de la bestiole. J'ai même pas envie de m'arrêter. On va choper l'autre truc. Non, honnêtement, là, je n'aime pas cet endroit, je n'aime pas le temps. Ce serait temps que le jour se lève. Ah! Un nouveau jour se lève sur Far Harbor. C'était quoi ce bruit? D'accord. Bonjour madame. Clé. D'accord, on a ouvert. Bon. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un tout petit endroit sympathique. Quand on se bouffe des rades à longueur de journée. Ce que veut Atom. Eh bien, écoute, on va jouer. Vous me surprenez. Je pensais que la clé de lancement du sous-marin vous intéressait beaucoup plus que ça, vos adeptes et vous. J'espère que vous n'êtes pas déçu outre mesure. Je n'aimerais pas mettre le propriétaire des lieux en colère. Je m'en remettrai. Mais me serais-je trompé? Je croyais que votre dieu exigeait que vous mouriez tous dans une explosion. Et voilà. Ce n'est pas pour cette raison que vous avez pris possession. Ce n'est pas un contrat. Si vous veniez à vous procurer la clé de lancement, rien, vous ne l'utiliseriez pas. Il nous a offert une chance à réaliser. Je ne trouve pas. Oula, il a complètement bugué le texte. Notre existence. Avez-vous peur? Ce serait stupide de prétendre le contraire. Mais nous avons trouvé une terre d'accueil ici. Des amis. Une famille. Un endroit où vous vous sentez chez vous. Exactement. Le noyau est une grande bénédiction. Il serait difficile d'abandonner un tel don d'atome, même si c'est pour en trouver un autre. Quoi qu'il en soit, la clé est perdue. Tant qu'Atome ne jugera pas opportun de nous la ramener, vous allez devoir nous supporter tant bien que mal. Je pense que j'y survivrai. Alors, visite de Sœur Gwyneth. Sœur Gwyneth, je sais pas comment on va le dire, est venue me voir hier soir. Elle a dit qu'elle avait passé toute la nuit à réfléchir à ce dont nous avons discuté, mais qu'elle ne pouvait pas fermer les yeux sur ce qu'elle considère comme la vérité, qu'Atome ne peut pas exister. Nous avons parlé pendant presque 2 heures à faire le tour du débat. Je lui ai rappelé que les dons de l'île, la bénédiction d'Atome, les messagers que ses frères et sœurs ont vus, la famille qu'Atome lui a offerte, ça a semblé la calmer et elle a fini par se retourner se coucher. Mais l'aube se lève et ses questions résonnent toujours dans mon esprit. Elle soulève des doutes que je m'efforce d'ignorer depuis un certain temps. Et tout cela m'inspire une autre question. Gwyneth serait-elle plus avisée qu'elle en a conscience? D'accord. Donc ça pue. Une nouvelle voix. Atome, tu puissant, je les ai perdus. Tectus exhorte les enfants à la violence, il l'acclame. J'invoque la civilité, il me traite de traître dans mon dos. Je me demande ce que j'ai bien pu faire pour mériter que tu me les enlèves, mais au fond, je sais, une foi faiblissante est comme un feu négligé si on ne la nourrit pas. Elle finit par ne plus pouvoir être ravivée. Me voici donc ici avec les braises de mes croyances, essayant de rassembler le courage nécessaire pour prendre une décision que je diffère depuis trop longtemps que je diffère. Je vais franchir cette porte. Et une fois que je serai sorti, une nouvelle vie commencera pour moi. Mais pour la première fois, ô rayonnant, ce n'est pas toi qui en tracera la voie. Intéressant. Il avait donc fini par abandonner le... Ah merde, je voulais l'écouter, excusez-moi. Il va falloir que je la retrouve. Holoband, 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 Holoband. Vous connaissez tous Monsieur Holo, hein. Holoband... Je la referai pas, désolé. Merde, je la retrouverai pas.
Je reviens, je vais voir le nom qu'elle a dans le rush. A tout de suite. Une exécution, chers amis, c'est comme ça qu'elle s'appelle. La voilà. Hop. Merci d'être venu si vite. J'ai appris pour l'exécution. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont tué votre missionnaire, Martin. Je vous présente... Martin, donc. Condoléances. Frère Andrew, une âme exemplaire. C'est ma faute. Si je m'étais rendu compte que la situation était si grave à Far Harbor, je ne l'aurais jamais laissé partir. Ils nous accusent d'être à l'origine du brouillard, Dima. Et maintenant, les enfants, c'est Tectus. Il refuse d'entendre raison. Il veut se préparer pour la guerre. Vous pensez que les autres le suivront? Il y a encore quelque temps, j'aurais ri à cette idée. Mais aujourd'hui, Andrew était très apprécié. Sa mort les a ébranlés. Oh, la taille du trou. Ils sont furieux. Haineux. Quand il n'y avait que Tectus, c'était encore tenable. Il faut faire quelque chose, Dima. L'exil. L'exode. Je pense qu'il est grand temps de convaincre les habitants de Far Harbor qu'il faut partir. Vous plaisantez? Vous savez aussi bien que moi qu'ils ne peuvent pas rester ici. Le brouillard devient de plus en plus épais. Il leur reste encore combien de temps avant que les condenseurs ne lâchent? Ce n'est pas une condamnation, Dima. C'est de la pitié. Je m'excuse, Martin, mais non. Ils ont autant le droit de rester ici que vous et moi. Vraiment. Cet endroit essaie de les tuer. Et maintenant, tous ceux que je protège m'en veulent parce que vous les avez autorisés à rester. Si vous ne voulez pas reconnaître vos erreurs, vous n'avez rien à faire ici. Vous feriez mieux de partir. Martin, ouais. Je vous en prie, il y a d'autres solutions. Hors de ma vue. Moi. Je suis pas tout à fait d'accord. Nous nous reverrons quand vous serez revenu à la raison. Et ils ne se sont jamais revus. D'accord. Ouais. Au final... C'est con à dire, mais Martin, il voulait une façon, on va dire une façon gentille de dire à Far Harbor, cassez-vous. Est-ce que je les ramène ici? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Ça, c'est mes ateliers. Non, ça m'intéresse pas. Donnez les holobandes de Martin à Dima. De Martin, pardon, excusez-moi. Ok, je pensais qu'il fallait aller voir le Tectus là. J'imagine qu'il va retravailler les holobandes. Par contre, j'ai l'impression qu'on avance un petit peu trop vite. On va aller faire quelques missions quand même sur place. Je pense qu'il faut qu'on les fasse. On va aller faire quelques missions d'abord. Ce que veut Atom. Aider le dévoueur, aider la sœur Mai, aider le grand confesseur. Donc il me semble qu'il y en a un qui a donné ça. On va faire ça, ouais. Je pense qu'on va, aller faire un petit peu de quête secondaire, sinon on va se retrouver. Sans rien. Et honnêtement, j'ai l'impression que si on fait ça, on va avoir une couille. J'ai un doute. On a fait des missions pour Acadia, on a fait des missions pour Far Harbor. Je me sens obligé de faire des missions pour eux. Des missions pour eux, pas des émissions. Je pense que c'est plus que nécessaire. Yo, je peux rentrer? Ça te dérange pas? En fin de compte. Nous sommes tous les enfants d'Atom. Tout à fait. Alors. Même si j'avoue, j'aime pas cet endroit. J'avoue que je suis pas fan.
Oh putain, ça y est, je me prends déjà des rades. Le conducteur GG qui s'affole. Ça y est, c'est la folie. Bonjour. Excusez-moi. Ah oui ? Je veux dire, gloire à... Oh, attendez. C'est vous qui venez de nous rejoindre, pas vrai ? Vous avez vu le frère Devin ? Un type a l'air malade qui prie tout seul dans son coin. Ça doit me dire quelque chose, j'ai vu Devin. Oui, j'ai vu Devin. Pourquoi cette question ? Le frère Devin jeûne, vous voyez ? Depuis un bon moment. Il mange plus rien et il boit que de l'eau irradiée. Il attend un signe d'Atome. D'accord. La plupart des gens diraient que c'est admirable de s'offrir à Atome comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est admirable. Le frère Devin est un homme admirable. Par ses actes, il prouve vraiment sa dévotion. Personne prétend qu'il a pas de cran, bien sûr, mais... Écoutez, Devin et moi, on n'est pas nés avec la bénédiction d'Atome, contrairement aux autres. Les radiations nous touchent. Maintenant, Devin pense que s'il jeûne et refuse tout traitement jusqu'à la mort, Atome lui enverra une révélation ou je ne sais pas quoi. D'accord. J'ai bien essayé de lui parler, mais il veut plus m'écouter. Et je suis apparemment le seul ici à ne pas l'encourager à se laisser mourir. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais j'aimerais vraiment que vous essayiez de le faire changer d'avis. Je vous donnerai un traitement anti-radiation que j'ai concocté, avec la recette aussi. C'est vraiment pratique pour les gens comme nous. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous voulez bien aller lui parler de ma part ? Je vais lui parler. Honnêtement, d'accord. J'étais parti pour le laisser crever de son fanatisme. Mais faites vite, s'il vous plaît. Il commence. Honnêtement, j'étais parti pour faire ça. Tête. Parce que bon, c'est un fanatisme qui est très particulier. Hein, Donc franchement, je pensais vraiment le laisser mourir. Mais bon, je suis pas contre un. Pardonnez-moi. Bonjour madame. Gloire à Atome, mon frère. Qu'est-ce qui vous arrive J'imagine que c'est au visage à vous que Rector a demandé d'aller à la source. Vous n'avez pas le regard vide ni la bave aux lèvres. Alors j'imagine que ça s'est bien passé. Quelle vision le Saint Atome vous a-t-il donné ? La mère du brouillard. Une femme. Elle m'a montré un petit hôtel. Le grand dévot m'a dit qu'il s'agissait de la mère du brouillard. Hein ? Vous avez vu la mère ? Mais comment... Enfin, ce n'est pas à nous de remettre en question les voies d'Atome. Si les autres dévots ou moi-même pouvons faire quoi que ce soit pour vous aider, il vous suffit de demander. Ah, c'est sympa, si t'avais pas autant de tatouages sur la tronche. Parlez-moi de Sœur Gwynette. C'est le grand dévot qui m'envoie. Dites-moi tout ce que vous pouvez sur la sœur Gwynette. Très bien. Le grand dévot vous l'a sûrement déjà dit. Mais Gwynette était autrefois un membre très dévoué de notre ordre. Malgré son humeur changeante, elle était très appréciée, en particulier par le grand dévot. Il l'aimait vraiment beaucoup. Du moins, je vois. jusqu'à ce qu'elle se détourne du Saint Atome. D'accord. C'est moi qui étais chargée de retrouver Gwynette. Mais elle a toujours eu une longueur d'avance. J'ai honte d'admettre que j'ai échoué. Je vais la trouver. Je trouverai Sœur Gwynette. Par la grâce d'Atome, j'espère que vous réussirez là où j'ai échoué. Vous devriez commencer par examiner les lieux sacrés. Vous trouverez peut-être un indice qui nous a échappé. Comptez sur moi. Yo l'ami. Excusez-moi. Je me demandais quand j'aurais la chance de faire votre connaissance. Je suis Sœur Mai. On dit que c'est vous qui avez reçu les faveurs de la mère du brouillard. Vous n'auriez pas aperçu en quoi consiste le test de loyauté du grand dévot par hasard ? J'ai vu. Si, je l'ai vu. Écoutez, c'est une leçon qu'il vaut mieux intégrer le plus vite possible. La confiance, c'est très important dans notre famille. Nos membres doivent apprendre à éviter les ennuis. Je vois. Restez dans les bonnes grâces du grand confesseur et tout ira bien. À part ça, vous avez besoin de quelque chose ? Et si le rayonnement vous dérange, je peux vous aider à vous en purger aussi. Je veux aider. Je me demandais si vous aviez besoin d'aide. Eh bien, j'ai comme qui dirait un projet au point mort. Vous avez dû voir les anciennes arches de décontamination en arrivant, non ? Effectivement. Ça fait un moment que j'essaie de les réparer, mais j'ai un sérieux problème. D'accord. J'ai besoin d'un régulateur de pompe avec une sacrée résonance. Oh, ça me dit quelque chose. Un modèle industriel, en gros. Et s'il y a un endroit sur cette île où on a une chance d'en trouver un, c'est l'usine Vimpop. Le problème, c'est qu'elle grouille de mutants. Mais si ça vous tente, je saurai vous récompenser. Qu'est-ce que vous en dites ? Eh ben, ça tombe bien, je l'ai déjà trouvé. Je crois que je l'ai déjà trouvé. C'est vrai ? Ouais, fantastique ! Le régulateur devrait parfaitement s'insérer dans l'appareil en bas. Et mon système de contournement des filtres devrait faire le reste. Sauf erreur de ma part, ces arches devraient bientôt vaporiser de l'eau irradiée à point pour tous les enfants d'Atome. Quoi ? Et comme je n'y serais pas arrivé sans votre aide, je me disais que vous méritiez de baptiser ce petit bijou. Mais c'était l'inverse que je voulais ! Vous voulez brancher la dernière pièce ?
Vous voulez bien l'allumer? Mes capsules d'abord. J'ai pris énormément de risques pour vous rapporter ce truc. Je crois bien avoir mérité quelques capsules. Ça me semble honnête. Je peux vous en donner, disons, 150. Oh, tu peux faire mieux que ça. Si vous aviez vu cet endroit, vous auriez honte de me proposer si peu. Il y avait des mutants du sol au plafond. Mince, carrément. Bon, d'accord. Va pour 250. Oh, encore plus. J'ai l'impression que vous avez du mal à saisir ce que j'ai dû endurer. Je ne vous ai pas encore parlé de l'odeur, si? D'accord, d'accord. Voilà 350, mais c'est tout ce que j'ai. Ok, pas de problème. Bien sûr, pas de problème. Excellent. La pompe est dans la baie. Ça devrait être simple comme bonjour. Tenez, au fait, pour ce que vous avez fait. Oh, conversion radicale. Oh, la vache. Sympa. Sympa, sympa, sympa. Ok, je l'aime bien. T'es une fille bien. Donc. Et des sœurs Maï, il faut que j'aille, j'imagine, sur place. Je me demande pourquoi les habitants de Far Harbor rejettent Atom. Ils n'ont pas appelé. Oh, oui, merci d'être venu. Je suis sûr que je pourrai toujours compter sur vous. Atom. Ah ah. D'accord. Si je voulais installer cette saloperie. Oh. Plus bas. Oui. Donne-moi. Oh putain. Donne-moi. Je sens que je vais être malade. Toutes mes prières vont faire toi un tour. Oui. Merci. Je sens que je vais être malade. Aïe. Bonjour. Supprimer la dérivation de maille, réparer le système de décontamination. Oula. Ne rien faire pour le moment. Sauvegarde. On répare. La bombe d'inverser la loi de contournement de maille, placer le profondément dans la machine pour empêcher quiconque de comprendre qu'il a pu être trafiqué. D'accord. Je préfère que ce soit de la décontamination qu'un système de contamination en fait. Je veux dire, je veux bien t'aider, mais il y a des limites à ma connerie aussi, hein. Je suis pas un assassin. Pauvre Devine, il serait dans la merde. Oh, je vais pouvoir aller de se faire doucher. Je vais lui dire, va te faire doucher dans les radiations d'atomes, mais... Devine d'arrêter. Dis-moi que ça marche. Vous me vénérez, ton fidèle serviteur attend. Oh, ça marche tellement bien. Tiens, va prendre une douche. Salut. Saint Atom, d'ici j'ai... Est-ce toi? Oh, Atom. Oh, non, je suis désolé, mon frère. Je vous ai pris pour... Peu importe. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu vas aller prendre une douche. Le dévot Ware m'a demandé de venir vous parler. Il a peur que ce jeune finisse par vous tuer. Vous devez recommencer à manger. Il demande aux autres de faire le sale boulot à sa place, hein. Dites-lui que je le remercie de sa sollicitude, mais... C'est vrai qu'il a pas l'air en forme. Ici. Atom est venu à moi, et je dois faire ce qu'il ordonne. Mm-hmm. Quels sont les ordres d'Atom? Et qu'est-ce qu'Atom vous a ordonné, au juste? Il m'a dit que tout ce que j'ai à faire, c'est attendre le salut. Le jet m'a servi de béquille pendant des années. D'accord. Un jour... J'étais en train de me détruire dans les bois quand une silhouette est apparue dans le ciel. Un nuage, un cerf verdoyant, baigné d'un rayonnement sacré. Il m'a ordonné de retourner au noyau, d'oublier mes mauvaises habitudes et de me consacrer entièrement à Atom. En échange de ma dévotion, Atom m'enverrait un autre messager qui me libérerait de mes chaînes une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi je dois attendre, mon frère. C'est moi, le messager! Bonne nouvelle. C'est moi, ce messager que vous attendiez. Et je viens vous libérer de vos chaînes. Voilà. Mais tout ça doit rester entre nous, d'accord? C'est... Oh putain, ça passe! C'est vrai. Les chaînes... Ah là! Elles ont disparu. Elles ne sont plus là, hein? Oh, merci. Merci, votre radiance.
et ne craignez rien. Oh, je n'en parlerai à personne. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Je suis ce messager. Mais taisez-vous, bien sûr, personne ne doit le savoir. Ce messager. J'ai peur qu'il court et qu'il saute, là, à un moment. Bon, ça c'est fait. On va aller voir le DevoWare. WarioWare. Salut, Wario. Where? Atome tout-puissant, vous avez réussi. Tenez, chaque fois que je préparerai du remède, vous pourrez en avoir. Et merci. Si je peux faire autre chose pour vous, dites-le-moi. Recette de la liqueur de Ware. Est-ce que tu as de la liqueur vous en plus? Vous auriez encore de votre mélange? Il m'en reste plus, là, mais... Repassez dans 2 jours et je devrais en avoir. Il vous fallait autre? Non. Ok, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Ne pas trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop!